Stéphane, merci tout d'abord pour m'accorder cet entretien. Donc la Berrichon s'impose ce soir 1-0. Et dans l'ensemble, victoire méritée ou le nul aurait été plus légitime selon vous? Bah, je pense que sur le match, on a quand même une emprise un petit peu plus forte que 7. On a de bonnes situations qui ne se concrétisent pas forcément en occasion. Et c'est vrai qu'on laisse l'opportunité à 7 de pouvoir revenir dans ce match. Mais quand on regarde le contenu de tout le match, je pense que ça paraît logique qu'on l'emporte ce soir. Bon Stéphane, la question sur le match c'était un prétexte. Moi je voulais surtout parler de votre carrière, donc on va aborder ça maintenant rapidement parce que vous n'avez pas beaucoup de temps. Donc moi je suis un minot qui vous ai suivi du temps de Monaco, de Marseille bien entendu. Est-ce que le fait qu'on vous ait souvent comparé à Fabien Barthez, et notamment les passages à Monaco, à Marseille, les maillots manchots courts assez amples, le crâne rasé aussi bien entendu, c'est quelque chose qui vous a plu ou au contraire ça vous a gonflé au fil de votre carrière ou pas du tout? Non, bon, en tout cas déplu ça vous a pesé plutôt je dirais. Non, pesé, non, parce que Fabien c'était quand même un monument dans notre championnat, donc quand on vous compare à un monument, bah écoutez, c'est quand même pas mal. Et puis à côté de ça, ça m'a pas empêché de faire mon petit bonhomme de chemin et de vivre de grands moments. Donc non, voilà. Et je suis tombé à une période où il y avait de grands gardiens, il y en a encore aujourd'hui. Donc voilà, on va dire que j'ai tissé ma toile au travers de tout ça et je m'en suis pas trop mal sorti. On l'oublie peut-être, mais une carrière riche également de deux sélections, si je ne me trompe pas, en équipe de France. Ouais, me rappelle dans une face à la Croatie. Alors, véritablement une, parce que la sélection ça compte que quand tu rentres, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai fait toute la campagne entre la Coupe du Monde et le Championnat d'Europe, j'ai fait tous les éliminatoires. Et c'est vrai que juste avant le Championnat d'Europe, je me blesse au genou. Et du coup, ça m'empêche un petit peu de participer au Championnat d'Europe. C'est Ulrich Ramé qui est à votre place. C'est ça. Mais voilà, mais donc j'ai dû y aller une quinzaine de fois et j'ai dû vivre. Tous ces moments-là avec ce groupe. En plus, je suis tombé à une période où c'était une génération dorée parce qu'ils venaient d'être champions du monde, ils ont été champions d'Europe derrière, c'était quelque chose de magnifique. Alors, vous êtes aussi marqué, là je vais être un peu négatif, mais par le fabuleux coup franc de Juninho ouais. À l'époque d'Ajaccio de 40 mètres. Hein. Est-ce que c'est le plus beau but que vous ayez encaissé? Je ne sais pas si c'est le plus beau but parce que ça serait faire injure à tous ceux qui m'ont mis des buts. Quand même exceptionnel celui-là. Mais c'est vrai que Juni, ce jour-là, il a bénéficié d'un petit peu de vent en faveur et il avait une façon de tirer qui était compliquée. Moi, pour l'anecdote, je me souviens que sur le terrain, j'ai mes défenseurs qui me regardent et qui me disent « Steph, qu'est-ce qu'on fait? On fait un mur ». Et puis moi, je les regarde, je leur dis « Mais les gars, il est à 45 mètres ». Et je dis « S'il marque de là, j'arrête le foot hein. ». Et heureusement que je suis revenu sur ce que j'ai dit et j'ai pas arrêté. Mais c'est vrai que tout le long du trajet de la frappe, c'est un ballon qui est simple quoi. Et par sécurité, je me dis bon allez, je vais la dévier au-dessus de la barre et puis comme ça on ira chercher le ballon sur le corner. Et puis quand elle est rentrée dans les 5-50, le ballon il est. Vulgairement, il est parti en couille, il est parti à droite, à gauche, et à l'arrivée, il est plongé à côté du ballon. Donc, c'est vrai qu'à vitesse réelle, ça fait bizarre. Après, heureusement qu'il y avait déjà un petit peu le ralenti à cette époque-là. Ça m'a un petit peu rassuré sur le fait que j'étais pas totalement fou. Des mots brièvement sur mon passage à Alavés, à Ferrol et à Créteil en Ligue 2, où vous retrouvez notamment Patrick Blondeau. Alors, ouais, ça, c'était pendant que j'étais à Monaco, j'ai fait un intermède à Créteil. Parce que ça s'est mal passé avec Didier Deschamps. Ouais, bon ça c'est autre chose, mais c'est vrai que ça m'a permis d'avoir une petite bulle d'air un petit peu dans cette période compliquée. Et c'est vrai quand j'étais avec Patrick, mais il y avait des sacrés joueurs. Et Plasil aussi, me semble, qui était en prêt. Il y avait Yaro, il y avait Sébastien Grégory, il y avait Marc Libra, il y avait Sébastien Dalleux, il y avait Samir Amirech. Janton, me semble. Benjamin Janton. On avait une belle équipe, ouais. Non, on avait une superbe équipe, hein, on était un super groupe, on s'est régalé. Et moi, franchement, ça m'a fait un bien énorme de passer par Créteil. Et après Ajaccio, je suis parti en Espagne. C'est vrai que j'avais envie de voir autre chose. Et à Alavés, ça a été une très belle expérience. Après, je te reprends parce qu'en fait, c'est pas Ferrol, mais c'est Xérès. D'accord, pardon. Tu vois. Et après, j'ai fait 2 ans à Xérès pour terminer avec une montée en première division. Où vraiment là, je me suis régalé. Et ma dernière question, et après, je vous retiens pas. Est-ce que
le pétage de plomb que vous avez eu à la suite d'un match à Metz, ouais, à Metz avec l'Olympique de Marseille, pétage de plomb qui a été largement à l'époque relayé par les médias. Vous avez cassé la porte du vestiaire ou je sais pas quoi. Ça vous a finalement pas porté préjudice par la suite et fait de donner l'image de quelqu'un de trop caractériel. Je sais pas, je sais juste que ce jour-là, je pense que j'ai dépassé les bornes et que j'aurais effectivement pas dû me prendre à l'arbitre de cette manière-là. Ils peuvent se tromper. Ce soir, il s'est encore, je pense, trompé quelques fois. Et c'est pas pour autant qu'il faut l'incriminer comme je l'avais fait à cette époque-là. Voilà, j'avais des petits soucis dans ma vie perso. La situation du club, elle était compliquée. Et c'est vrai qu'en fait, tout s'est enchaîné et j'ai pas su garder mes nerfs. Donc c'est pas une belle image, sincèrement. C'est pas l'image que j'aimerais qu'on garde de moi. Après, est-ce que certains ont pensé que j'étais caractériel, fou, stupide, ça, il faudrait leur poser la question. Je suis pas certain que ça m'ait plus desservi que ça. Mais voilà, on a le caractère qu'on a et on fait les bêtises qu'on fait et il faut qu'elles servent surtout par la suite à ne plus les commettre et que ça serve ensuite à l'enseigner aux plus jeunes. Stéphane, merci. Merci et beaucoup. Bonne continuation. Merci à vous et puis bonne chance pour cette fin de saison. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup.